je veux tout d'abord vous dire mon extraordinaire reconnaissance. J'ai tellement dit et répété que je serai au second tour, que je ne vais pas jouer les filles de l'air ce soir en disant que je suis très content de ne pas y être et que c'est très bien et que je suis très content d'avoir un ennemi. Bon, écoutez, tous ceux qui me connaissent savent très bien que je ne peux pas dire tout cela. Ce peuple a envie d'être rassemblé. Il ne veut pas être rassemblé ni d'un côté, ni de l'autre, qui ne ressemble plus à rien d'ailleurs. Il veut être rassemblé en son sein. Et c'est en son sein que nous nous trouvons. Et c'est en son sein que nous allons continuer notre formidable action, parce que ce soir, nous sommes redevenus, ou nous sommes devenus, enfin, une raison d'espérer pour notre merveilleux pays. Nous sommes au début d'une très grande aventure, d'une aventure merveilleuse, d'une aventure comme la France n'en a pas connue depuis longtemps. Nous avons de la chance parce que nous avons démarré petit, nous sommes déjà 500 000, eh bien nous allons grandir, grandir, grandir dans ce grand esprit de paix qui nous caractérise tous pour que nous puissions aider la France et le monde à passer ce cap redoutable sans effusion de sang et passer comme il le faut, comme nous aurions pu commencer à le faire bien avant, le témoin à nos enfants chéris de la patrie.